Si mes révoltes peuvent vous choquer, si ma colère peut vous surprendre, je parle au nom du temps perdu, du temps qu'on ne pourra nous rendre. Je parle au nom du temps de tuer, puisque les tueurs sont ici-bas. Les tueurs de rêves, les tueurs d'idées, les fossoyeurs qui font les lois. C'est bien conscient que je me livre, c'est bien serein que je me bats. Moi qui suis né pour être libre, je n'écris pas de l'au-delà. Je vous écris de mon vivant. Je suis un fils de cette terre, devenu rebelle, tout doucement, voyant qu'on humiliait mes frères. Je ne veux être ni valet, ni même soldat, ou bien larbin, de ces meneurs qui n'ont pas l'ombre d'une idée, des bons à rien. Je parle d'idées bien pures, de celles qui viennent du cœur, qui font grandir les hommes et les rendent meilleurs. Moi, le marginal, je refuse la soumission et l'esclavage sur la colline des trahisons. Je peux pousser des cris de rage. Évidemment, ils m'ont trahi autant qu'ils ont renié Dieu, rendant ce monde tellement gris, lui qui l'a fait pour être bleu. Si la misère doit s'étaler pour l'intérêt de quelques-uns, je viens me battre et dénoncer, ils ont nos vies entre leurs mains. Évidemment qu'on peut en rire et aussi se moquer de moi, mais les couleurs de l'avenir peuvent être belles si on y croit. Je ne viens pas chercher la gloire, moi je ne viens que pour l'éveil, pour qu'on écrive notre histoire, qui je le sais, peut-être belle. Pour ça je viens tirer l'alarme. Nous avons trop donné de temps. Nous devons tuer le temps des larmes. Dans ce combat, nous serons grands. Oui, je devais passer par là, moi qui viens pour vous réveiller. Je n'écris pas de l'au-delà, j'ai tant envie de le prouver. Aucun de mes mots n'est posthume, ils sont bien de mon vivant. Je suis un être sans fortune, je suis un frère de votre temps.